la Wafella, la Kasba, en haut, Wafella, Agadir. J'adore Agadir. Marathon de Barcelona. Marathon de Barcelona. Académie de tennis. Une pie marocaine. Elle avait une tache bleue sur la tête, différente des pies françaises, on dirait. Là, c'est le palais royal. Là, c'est le palais royal à gauche. Et les gardes. Je ne sais pas s'il vient le roi, de temps en temps il doit venir, le roi du Maroc. Cours de tennis, ça arrose. Alors les arbres, c'est des eucalyptus. Eucalyptus. L'ancien palais royal. Il y a. C'est comme un parc. Hein. Et le palais, il doit être complètement au fond, on ne le voit pas. J'aime la tranquillité d'Agadir par rapport à Marrakech. Marrakech, c'est infernal, la journée, trop de monde. Trop de monde, trop de pollution, Marrakech. Agadir, on respire. Température toujours à peu près constante. Marrakech, l'été, ça peut monter à 44 degrés, fois 46. Et l'hiver, il peut faire froid, moins 4, moins 5 degrés la nuit, le matin. Donc, Agadir, c'est toujours constant, parce qu'il y a la mer, l'océan Atlantique. Une ville très animée, tu vois. C'est une ville touristique. On voit la mer au fond. Voilà, ils sont en train de tout refaire les trottoirs jusqu'en 2023. Ça a commencé, je crois, en 2019.
veux voir si je, le vendredi, c'est le jour du couscous. Donc je vais aller manger un couscous s'il y a de la place. Parce que des fois, là, je ne sais pas quelle heure c'est, il y a 2 heures peut-être, 1h30, 2h15 à peu près. Donc peut-être j'aurai une place pour manger un couscous chez Rafik, restaurant, avenue Hassan 2. Je connais bien Agadir, pas tout, hein, pas tous les restaurants, tout ça. Je connais bien les quartiers.